les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous avons la chance de recevoir Ours à l'occasion de son passage aux Francofolies de La Rochelle. Ours, vous sortez juste de scène, comment on se sent après un concert ? On se sent bien. J'étais très heureux de venir jouer ici. J'avais même... Je sacralisais un peu ce moment, puisque je suis très attaché aux Francofolies, donc on a envie de bien faire. Et moi, j'ai pris du plaisir sur scène. On n'a pas trop fait d'erreurs, de pain. Ça donc, s'est pas vu, en tous les cas. Voilà, c'était bien. Donc je me sens très bien, très heureux d'être là. Vous avez le trac avant ou pas du tout ? Normalement, j'ai pas tellement le trac. Et là, parce que ce sont les Francos, qu'il y a toute une symbolique, c'est là que j'ai commencé. Je revoyais des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans. Ils me revoyaient sur scène, ils m'ont vu commencer au moment où c'était tout fragile. Alors, bien sûr, il y a peut-être encore de la fragilité, mais j'avais un petit peu une appréhension, j'avais un peu le trac. Mais 5 minutes avant de monter sur scène, ce trac est parti. Et j'étais bien. Appliqué, je m'étais appliqué. Habillé et les gestes étudiés. Je riais, vous n'aimiez pas quand je riais. J'avais forcé le trait. Je voulais vous épater, je voulais m'essayer rater, je voulais vous épater, mais vous m'avez trouvé trop miel. Mes colis trop gentil, je suis poli, vous n'aimez pas les trop polis. Propolis, trop lisse, et aseptisé. On va revenir un petit peu sur votre carrière. Vous avez fait les Beaux-Arts à Londres. Ça veut dire que vous ne vous destiniez pas spécialement à la musique au départ ? Non, en fait, j'adorais la musique. Je disséquais la musique. J'étais vraiment très passionné par ça. Je faisais de la batterie. J'avais des groupes à côté. Je chantais, j'étais batteur et je faisais de la guitare. Mais je me disais, je ne vais pas faire comme mon frère, comme mon père. C'est trop... faut que je me démarque un peu. C'est trop convenu de faire ça. Alors, en parallèle, j'aimais beaucoup le dessin et le graphisme. Et à Londres, j'ai fait les Beaux-Arts de Londres, que j'ai adoré faire. Et voilà. Mais en fait, la musique m'a rattrapé, puisqu'à Londres, j'ai commencé mon premier groupe, qui s'appelait Brocoli. J'étais batteur. Et puis, je suis revenu en France et j'ai fait mes chansons sous le pseudo Ours. Et j'ai commencé à délaisser un peu le graphisme et le mettre de côté. Puis, la musique a pris plus de place. Le pseudo Ours, ça vient d'où ? Ça vient aussi de cette époque-là où au début, j'étais dans ma tanière, dans ma grotte. C'était un projet un peu secret. Alors voilà, j'hibernais. Je me disais, je disais à mes amis, je fais des chansons, mais pour l'instant, je suis un peu un ours. Je sortirai de ma tanière à un moment. Et je me disais que de toute façon, nous étions un peu des ours quand on écrit des chansons. Nos phases de vie sont similaires à celles d'un ours. On est dans un travail très solitaire pendant un an et demi, deux ans parfois. On écrit des chansons, on est seul, on est en jogging, on est tout seul dans sa tanière, sur son canapé, dans sa chambre, dans son studio. Et un jour, on sort de cette tanière et là, on sort de,
cet aspect très introverti. Et là, on vient se présenter aux gens, on vient chanter sur la scène des Francofolies, devant plein de gens. Voilà, ce contraste de vie m'a fait penser à celui d'un ours. Un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens, c'est idiot. Comme un duel, qui est le plus bête, qui est la plus belle. Auteur-compositeur, ça se passe comment? C'est d'abord les textes, après les musiques? Comment vous travaillez? J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu des... Vous savez, il n'y a pas de règles en fait. Là, pour ce dernier album et pour celui qui va venir, j'ai envie d'avancer les textes avant, bien avant. Là où souvent j'ai privilégié la musique, j'essaie d'emboîter les mots dedans. Puis c'est bien aussi quand ça se fait en même temps, quand on a un thème, une idée, déjà un gimmick de refrain, et puis la musique arrive et puis on fait les deux en même temps. Là je sais que je vais pas mal aboutir les textes, j'ai envie que ce soit le personnage principal les textes, et même si les musiques sont un peu plus convenues ou banales, ou, bien sûr ça je vais rechercher quand même, mais j'ai envie de mettre le texte en avant là pour le prochain. Un album ça correspond à une étape de vie? Moi, je me demande, le fait de jouer des chansons ensuite sur scène qui ne correspondent plus à la vie ou à la personne que vous êtes maintenant, est-ce que c'est difficile ce décalage parfois? C'est très marrant ce que vous dites, c'est très vrai. Écoutez, les chansons de mon dernier album, je les ressens encore, je suis aligné avec ce que j'ai écrit. Il y a plein de chansons que j'ai plus envie de chanter, que j'ai écrites il y a 15 ans. C'est trop enfantin, c'est trop... Je suis plus aligné avec ça. Alors, il y a des gens qui ont des gros succès, qui ne peuvent plus chanter leurs chansons de l'époque parce que c'est devenu tellement des souvenirs pour les gens que Francis Cabrel ne peut pas ne pas chanter Petite Marie. Je pense que lui tout seul, il n'aurait peut-être pas envie de chanter Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite... Je le fais bien d'ailleurs. Non, mais même si c'est une très jolie chanson, peut-être qu'il ne ressent plus, il se dit tiens, il y a des maladresses dans ce que j'ai écrit. J'avais 25 ans, aujourd'hui j'écrirais pas pareil. On est parfois plus tellement aligné. C'est pas qu'on les aime plus ces chansons, c'est qu'elles ne... Donc c'est intéressant. Moi j'arrive plus à les chanter, sauf si j'étais un chanteur très connu et qu'elles étaient pour les gens un souvenir, une madeleine incontournable. Là je les chanterais. Sa tête rentrée, resserrée dans tes épaules.
là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. C'est même très d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu laisses aller la tête renversée. D'Edonia Radio. Vous écrivez aussi pour les autres. C'est plus facile d'écrire pour soi ou pour quelqu'un d'autre ? Écoutez, c'est plus facile d'écrire pour soi. J'ai adoré écrire pour les autres et je trouvais ça plus facile à un moment. Pourquoi ? Parce que j'étais distancé. Et la petite distance fait que t'es plus... Tiens, c'est... Je mets ce mot sans trop tergiverser. Là où quand c'est pour soi, on se prend la tête, on rature, on écrit. Mais je sais pas, en avançant, j'aime que ce soit personnel. Je trouve ça plus intéressant quand même d'écrire pour soi, de mettre nos tripes. Voilà. Mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à écrire pour d'autres. Aujourd'hui, je suis dans une phase où j'aime moins le faire. Si on devait diffuser qu'une seule de vos chansons, ça serait laquelle et pourquoi ? Non, mais en ce moment, je suis dans la chanson de mon dernier album qui s'appelle La Cinquième Saison. J'aime ce climat, je trouve qu'elle synthétise un petit peu tout ce que je suis. Il y a cette rythmique, un peu afrobeat, cette batterie, mais en même temps, il y a ce piano très pop, planant, il y a un climat poétique. Donc, elle mélange un peu tout ce que j'aime. Et qui, elle, voilà, je ne dis pas que c'est une super chanson. C'est pas ma préférée de l'album, mais c'est une de mes préférées. Je trouve que c'est une bonne synthèse de donc ce que je fais. La cinquième saison. Allez, la cinquième saison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoutez, une sixième saison. Non, mais un cinquième album, puisque le prochain. De continuer, de... Je suis ravi, moi, de me dire que je vais faire des nouvelles chansons. Donc, de garder cet enthousiasme me plaît, donc... voilà, vous pouvez me souhaiter ça, de garder au maximum de temps cet enthousiasme. Les chansons, elles seront ce qu'elles seront, mais en tout cas, je suis heureux de me projeter dans les prochaines chansons et voilà. Eh bien, merci, et nous, on sera très heureux de les écouter. Allez, merci, Ours. Merci à merci. Vous. Merci. De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas et le sable de Saint-Cas. Cette image ne change pas. La même plage et toi de dos, dans le même contre-jour, le même cadre, la même photo, et quelques gens autour, et le son de ce bourdon qui revient toujours. Les sons grands va bien pouvoir faire de
de retour en septembre, on ira boire quelques verres. Mais les jours se ressemblent, qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre? Après novembre vient l'hiver, qu'on appréhende et qu'on espère. Après la coupe, le regain, le pollen et la poussière. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison. Entrer l'air, le grand air que l'on inspire, que l'on espère faire trembler les cloisons. Essouffler sur les bouts de verre, nos griffures et nos vieux cotillons. Essouffler sur la poussière, les points d'usure, quand l'amour tourne en rond. Laissons grand ouvert. Venir la cinquième saison, laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison, laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison, laissons entrer l'air et laissons. Cinquième saison, saison, saison. Edonia Radio.